Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Yuna Scrap. Alors, je vous retrouve pour un tout petit haul action. J'ai été faire un tour cet après-midi, comment vous dire, la Yuna Scrap était vide. Voilà, donc j'ai pas trouvé grand-chose. Donc je vais commencer par Colpatex. Je voulais refaire le plein, car j'avais commencé mon dernier pot colle à bois. Donc moi je m'en sers énormément hein, pour toutes les créas. Donc il en restait 3 en rayon, et ben j'ai pris les 3. Voilà. Je ne suis pas embêtée, la vie. J'ai pris ce qu'il y avait. Ensuite, j'ai vu que dans différents, il y avait des nouveaux dies. Donc je ne sais pas si ça en fait partie. Ils traînaient dans le rayon. Donc par contre, au niveau prix, 3 euros quelque chose. Pas donné. Hein. Vu qu'avec celui-là, j'ai pris celui-là, donc c'est des mots. Donc moi, je n'ai pas beaucoup de mots en dies. Donc voilà, ça fait l'occasion. Donc je vous montre, il y a une référence. Des fois, je sais que ça intéresse certaines personnes. Voilà, les différents mots hop, qu'il peut avoir à l'intérieur. Voilà, donc je vous montre pas, c'est un désordre fini sur mon bureau. J'ai retrouvé de la dentelle comme ça, en petit rouleau. Voilà, petite dentelle. Hop, je vous montre. Alors je ne sais pas s'il y a une référence, peut-être plus de ce côté-ci. Voilà, petite dentelle, dernière qui est restée en rayon, blanc et beige. Voilà, j'ai pris. Et puis, j'ai fini au rayon, gâteau aux bonbons, les réglisses. J'adore les réglisses de chez Action, ils sont trop bons. Voilà, quand je vous ai dit que c'était un tout petit haul, voilà, j'ai trouvé que ça dans le Action où je suis allée cet après-midi. Voilà. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis en plein projet, tiens, je vais vous montrer. C'est pour l'anniversaire de ma nièce Marion, avec qui je suis allée passer le week-end à Paris. Hop, elle a 19 ans le 13 août. Du coup, pour lui faire un petit cadeau, elle m'a dit, papa, est-ce que tu pourrais me faire un album avec les photos que tu as prises ce week-end? Je dis, oui. Donc, c'est même pas un petit album. Voilà, je vous montre rapidement. C'est entre l'album et le junk. Voilà, donc là j'ai fait une pochette. Hop, voilà. Des découpes, des papiers blancs, des papiers vieux au café. Toutes les photos comme ça avec des petites pochettes, c'est des photos que j'ai trouvées sur Pinterest. Voilà, donc vous voyez, j'ai mélangé junk et album. Donc ici, j'ai mis tout ce qui était tickets de parking. Voilà. Hop. Voilà, donc une autre pochette ici, un plan de Paris. Voilà, j'ai décoré. Il me restera plus qu'à développer les photos que je vais lui mettre à l'intérieur. Et puis, son album sera terminé. Voilà, on fera ensemble la couverture. Je voulais vous faire des vidéos, mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Donc, vous voyez, comme ça, voilà. Donc il y a des endroits où je mettrai des photos de Paris, il y a des endroits où je mettrai des photos de Versailles. Voilà, je ferai un mixte des deux en fait. Hop, voilà. Je vous montre un petit peu. Bon, c'est un petit haul action et vidéo blabla du coup. Voilà, donc toutes les photos comme ça, Pinterest. Hein. Sinon essentiellement du papier de chez Action. Papier miroir, papier craft, décoré. Voilà. Papier fleuri aussi, comme ça. Ça, c'est des papiers format 15-15. Voilà. Du marbré, du papier marbré. Donc, c'est du papier autocollant. C'est le dernier bloc que j'avais acheté chez Action en 15-15. Voilà, je vous montre un petit peu. Ici, une pochette aussi. Je pourrais mettre une photo ou deux. Voilà. Voilà un petit peu ce que je lui ai préparé. Donc il n'est pas fini. Hop, voilà. Donc j'espère qu'il lui plaira. Voilà. Donc un mélange de Paris et du château de Versailles. Hop, voilà.
voilà un petit peu le petit cadeau que j'ai prévu pour ces 19 ans. Allez, sur ce, je vous laisse. Petite vidéo blabla. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, gros bisous. Bye bye.